Le plateau sportif de Trenel présenté à Patrick Caner. Ici, on avait un terrain de hand. On organisait régulièrement des tournois de foot. C'est un bel espace. Un peu plus loin, ce jardin partagé sous la responsabilité des jeunes des différentes associations du quartier. Et donc, ce serait vous qui seriez le gestionnaire ? Trenel, environ 8000 habitants, des constructions qui datent des années 50, une habitation spontanée, parfois d'accès difficile. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports découvre ainsi ce qui est fait et reste à faire en termes de résorption de l'habitat insalubre et de rénovation urbaine. Un énorme chantier pour Fort-de-France. C'est un travail immense qui est devant nous, on le sait. Il faut commencer. Il a déjà commencé. Mais la question du coût, si vous voulez, viendra plus tard. Vous savez, le programme de l'ANRU 1 représentait 47 milliards d'euros de travaux sur le territoire national et aussi, bien sûr, sur les Outre-mer. Là, on part sur 20, 25 milliards, nous verrons bien en tant que tel. Moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est la qualification du projet. Est-ce que ça va vraiment changer la vie des gens? Est-ce que les habitants seront associés à la démarche du projet? Toutes ces réponses, je les ai eues de manière positive il y a quelques instants. Donc, je pars très confiant. Sept quartiers sont cités, Grosse Roche, Terre Saint-Ville, Citron, Trenel, Texaco, Volga-Plage et Sainte-Thérèse, à un programme sur plusieurs décennies. C'est un travail qui a déjà commencé et qu'il faut poursuivre. C'est un travail d'aménagement d'une ville. Ce n'est pas à l'échelle d'une mandature, ce n'est pas à l'échelle du quotidien. C'est vraiment un travail dans la durée, c'est un travail qui est important, mais qu'il faut entamer, qu'il faut poursuivre, et surtout poursuivre aujourd'hui, de mon point de vue, en associant les habitants. Après la Guadeloupe et la Martinique, Patrick Caner s'apprête à faire plus ample connaissance avec la Guyane dès ce soir.